Allez, salut à tous, c'est Juanito et on se retrouve pour l'épisode 8 de Star Wars Le Pouvoir de la Force, toujours sur Felucia. Je reprends l'épisode juste. Enfin, je commence l'épisode juste derrière le 7ème, donc du coup, on n'a vraiment pas bougé d'endroit et on va directement aller dans l'estomac. Je sais pas pourquoi, je sens que ça pue dans l'estomac. Je le sens bien venir, ça. Bah alors? Ah, disons, l'ascenseur il est un peu buggé. Donc là, ça va faire assez bien, ça va me faire plusieurs épisodes. J'ai réfléchi en même temps, hein. C'est une grosse organisation. Surtout que c'est très long à monter Star Wars. Là, sur mon programme, il y a quelques décalages quand je m'enregistre avec. Et ce qui fait que dans ce décalage, c'est assez casse-bonbon. Ce qui fait que j'enregistre la voix d'à côté. Parfait. Monsieur, non, tu m'entends? Et laissez-moi tranquille. Merde, j'étais avalé. Merde. Eh mais recrache-moi. Ouais mais bon, pas comme ça. C'est vrai que j'avais oublié ça. Donc pour les faire briller, faire ça, tu peux ça. D'accord, je peux plus. Ah mais putain, mais hé. Ça va faire là, ça va péter, ça va péter. Les artifices. Ne t'approche pas du système intérieur. Vous êtes trop dangereux. Oui, bah Juno, t'es gentil, hein, ma cocotte. What? Ok, ça, je dois les choper. Et je l'aurai pas. Allez, putain, je suis pas à me côté. Donc on en a l'estomac, super, cette bestiole nous avale alors qu'au final on l'a sauvée. C'est dégueulasse. Ouh putain, je l'ai pas vu là. Mais non, mais... Ah là. Voilà, apparemment ça l'effraie. Je sais pas pourquoi. Là, on peut passer tranquillement. Putain, mais laissez-moi tranquille, vous! Je sais pas ce qu'ils me font, mais. Oh, putain. Ah oui, non, pas pour moi, s'il vous plaît. Laissez. On arrive au niveau de ces bronches. Oh putain, comme ça. Voilà. Je vois que dalle, je vois que dalle, je vois que dalle. C'est quoi cette caméra? Merci. Allez, bonza bonza. C'est trop bon ça. C'est intelligent que les PNJ dans Minecraft. Hop, on y est presque. Je vais attendre encore une dernière rafale. Je sais pas si c'est par là qu'il faut aller. Oui, c'est par là. Je regarde sur la carte, c'est vrai. Elle me le dit, la carte. Encore là-dedans? Là, il... Ah non, c'est dans un des trous, j'ai dit pas de conneries. C'est pas là. C'est pas là. Ah bah c'est là. Qu'est-ce que d'accord? D'accord, ma foi. Hop, 2 petites secondes, excusez-moi. Tu m'entends? Je répète, tu m'entends? Je suis là, Juno. Oh, tu vas bien? Tu es blessé? Ah, je survivrai. Bien. Ton signal est plus fort. Mais je détecte de nouvelles formes de vie qui convergent vers toi. Oh non, pas eux. Oh putain! Ah, oh, ils vont me tuer. Eh, putain, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, toi!
Mais laisse-moi. Mais il est mort le mec là, comment. Mais putain, pourquoi t'es toujours rouge? Il y en a un deuxième, sérieux? Ah oui, il est là, putain, salaud. Allez, maintenant c'est votre fête les gars. Bordel, mais laissez-moi tranquille. Ah putain, mais. Mais là tu me balances ces cailloux dans la tronche, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes cailloux mon gars? Toi tu vas faire câlin. Toi tu t'es voté comme une merde devant moi. Il est où? Vilain Pablo. Vas-y, yo qui s'invite à la fête maintenant. Putain mais. Ah c'est où cet endroit? Il est où ce monstre? C'est plus dur de les tuer que les terres c'était. Oh putain! Laisse tes cailloux tranquilles toi et viens te battre au lieu de me chercher. Allez viens, c'est toujours moi qui dois venir te voir. Allez. Merde, je me suis trompé de bouton. Quel idiot! J'ai glissé, chef. Alors, Y. X, ah là, c'est la gueule. Et boum! Et boum! Moi, je fais les bruitages aussi. Ça m'arrive. Alors, toi là-haut, avec ta tourette, tu commences à nous emmerder. C'est par là la suite, mais d'abord je vais m'occuper d'eux. Voilà, bon, j'ai vu qu'il y avait une sphère là-bas, mais bon, j'ai pas envie d'aller la chercher, je vais me compliquer la vie, on va continuer de l'histoire. Ok, bonjour. Ok. Oh non, je les aime pas eux. Putain, c'est des espèces de trop trucs trop chelous là. Oh putain, d'abord les plantes là. Putain, laissez-moi tranquille. Cours, Starkiller. Allez, un à la fois. Un. D'accord, j'ai plus. Comment ça se fait qu'elle recharge pas assez vite là? Ok, là je touche les deux, mais par contre ça va du coup partager les dégâts. Allez. Ah putain, mais t'es sérieux? Il y en a un qui est mort, non? Là, là oui. Et bon, il est mort. Putain, j'ai horreur ces bestioles là. Vous avez vu mon sabre? Ça c'est quand j'ai enchaîné pas mal de combos, c'est surtout quand j'ai beaucoup utilisé l'électricité. Non, mais il n'est pas loin. Je le sens. Putain, méchant! Il est transparent, c'est juste pour me voir apparemment. Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas un bug, c'est juste pour qu'on voit notre Jedi derrière. J'arrête de parler quand je fais ça parce que des fois je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Allez, prends ça. Hein, attaque pas ta poudre. Voilà mon gars. Toi tu crèves, d'accord, tu veux pas. Putain, mais laissez-moi tranquille. Personne? Non? Ah si, là. Hop. Eh ah, mais toi aussi là. Ah, je sais plus si c'est par là que je dois aller. C'est par là, non? Ouais, c'est par là. Oh putain. Il est où? Thank you.
Eh bon, allez. Non, vous êtes plus... peut-être plus rouge, on va voir ce que ça va faire. Toi, tu me saoules. Bah alors, ils sont tes copains. T'es tout seul? Mais alors, il est tout seul? Bah oui, c'est vrai, ils sont plus rouges, donc ils sont faciles à battre. Bah oui. Allez, éteins. Les chargements, c'est vrai que c'est un peu long, c'est vrai que quand on passe devant la One où il n'y a plus un seul chargement et quand on passe à celui-là, enfin cette console, c'est un peu étrange. Où on est là? Je me rappelle plus. Oula, tu bugs. Ah, Organa. Sénateur Organa, Maître Kota m'a envoyé vous sauver. Ah, je savais qu'il finirait par se manifester. Mais je pensais qu'il m'en voudrait d'avoir ignoré ses conseils. Il ne l'a pas digéré, mais il veut vous faire la morale en personne. Vite! L'apprenti de Shakti, elle est devenue folle. Toute cette planète est devenue folle. Oh, nous allons bien. Nous avons juste succombé au côté obscur. Allez, écarte-toi! Ne m'oblige pas à te tuer. Tu rêves. Il me protège. Même pas peur. Même pas peur. Je vais défoncer le gars. Détends-toi, mon gars. Attends, te protège avec une espèce de tyrannosaure. Grand rencor. Ah putain, genre mais va te faire foutre. Ah c'est genre c'est toi ou lui, c'est pas les deux hein. Moi je suis tout seul, j'ai qu'un sabre en plus, toi t'en as deux. C'est une arnaque. Saleté. Ah oui, je crois qu'elle se téléporte et tout. Ah bah mais non, mais je me... Oh, tu vas me laisser tranquille. Putain, mais laisse-moi me relever. Ah, c'est vraiment une salope, hein. Elle m'attaque vraiment dans le dos. Mais non, mais je passe au-dessus. L'est-il? Je me suis préparé, non mais... Genre, bah attends, mais il a des bras, c'est tombé la porte. Mais genre, mais il craint pas. Genre, je lui balance des éclairs, le mec, c'est... Attends, c'est foncé, c'est... Bah t'es blasé, hein, tu sais pas sauter ou c'est... Putain, mais laisse-moi tranquille, toi. Attends, je m'occupe de toi après, je m'occupe de ton chéri, là. Voilà. Il est bientôt mort, il est bientôt mort, n'inquiétez pas les copains. Ah, c'est par toi, je t'ai dit. Je pense que ça va être là, ça fait vachement mal ça. Mais laisse-moi tranquille, il faut savoir, merde. C'est toi ou lui, c'est pas les deux, hein. Après avoir compté, je vais en faire une petite technique. Hop. Écoutez, je vais dans la permanente, les livres, c'est urgent. Je vous dis à tout de suite. Oh putain, d'accord. Fait qu'il me rend directement dans le lard. Laisse-moi tranquille, mon gars. Cours, Starkiller! On prend ça, soul. Allez, il est presque mort. Je pense qu'on prend deux. Très petit coup, il va prendre Chiro. Un peu de fou quand même. Mais putain, mais attends, je vais m'occuper de toi là. T'inquiète pas, va ma pop. Mais c'est pas sur le, c'est elle.
Mais non, mais pas là. Mais ah, mais tu vas arrêter. Laisse-moi tranquille, je te dis. D'accord, il y a personne, Starkiller. Ok, ça y est, on peut l'attaquer. Allez, c'est parti, on va le défoncer sa race. Paf. Eh, mais ça va être la même. Ah, oui, c'est la même. Non, c'est pas la même. Et voilà, allez. Terminus, tout le monde descend. Allez Maris, viens voir. Oh putain, oui, ça va toucher pas. Allez là. En fait, elle se téléporte pas, elle se rend invisible. Mais elle est pas très douée en fait. Mais genre, mais allez, mais hey, tu vas prendre ta foudre là, salade. C'est déjà un gros mot, encore une fois, j'allais dire salope. C'est une salope. Je vais te piner, viens là. Le sénateur est à moi. On bombarde X. Paf. C'est quand même sympa Starkiller, hein, parce qu'il est quand même profilé de ses sabres. Il aurait pu s'en débarrasser tout de suite. Je ne montrerai aucune vie. Allez où? Putain, mais, hey, mais vous allez arrêter de vous battre avec vos pouvoirs à la con là, là qui se battait avec ses plantes, toi qui se bat avec ça. Y'a que Kota qui se battait légalement, on va dire. Ah non, il utilisait la force, mais non, ça c'est une force qui dit. Tiens, tu veux. Mais allez, méchant. Mais elle est où? Elle est là. Ouais, tu me souviens. D'accord, alors tout à l'heure je voulais pas la toucher quand on était contre la grosse bestiole. Il l'a touché, maintenant que je veux qu'il la touche, il la touche plus, il se fout ma gueule. Bon, on va arrêter d'utiliser les éclairs, ça sert à rien, parce qu'on a plus de. On a plus de chakra, si je peux dire. Elle est où? Ouais, ah oh! Allez, mais t'es sérieuse! Mais bon, alors toi, moi aussi j'ai lancé les sabres, regarde. Mais ah, oh, mais oh! Mais. Voilà. Merde, je me suis trompé de bouton, bordel. Le sénateur est à toi. Tu n'as plus besoin de me tuer maintenant. Tu es l'esclave du côté obscur. Je vais rendre service à la galaxie. Ce n'est pas ma faute. Shakti m'a abandonné ici. C'est cette planète qui m'a perverti. Elle m'a corrompu. Mais tu peux encore me sauver. Il faut que je quitte cet endroit. Laisse-moi partir. Et je tournerai le dos au côté obscur. Cette fille...
Elle me rappelle un autre Jedi qui avait choisi de sombrer dans le côté obscur. Tu n'aurais pas dû l'épargner. Vous la croyez libre? Jamais elle n'oubliera ce qui s'est passé ici. Jamais. Voilà, 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 on a fini Felucia, cette fois-ci on n'y retournera plus. Se rebeller ouvertement serait trop risqué, Maître Kota. Je sais que je vous dois la vie, mais... Vous ne me devez absolument rien. Dans la cité des nuages, je ne peux rien pour vous. Je suis aveugle, ne l'oubliez pas. Il est votre héros, c'est sa rébellion. Rejoignez-nous, il vous le demande. Vous êtes les premiers à combattre directement l'Empire. Mais nous ne sommes pas prêts à partir en guerre. Il nous faut des armes, des vaisseaux et des hommes courageux pour les piloter. J'ignore combien oseront se battre à nos côtés. Mais vous savez que certains n'hésiteront pas. Ah oui. D'autres sénateurs que moi se sont opposés à l'Empereur. Mais ils seront durs à convaincre. Il suffira de leur montrer que l'Empire est vulnérable. Je vais y réfléchir. Je pense pouvoir trouver une cible parfaite. Pendant ce temps, sénateur... Contactez vos amis, nous aurons bien besoin d'aide. Maître, il est ici. Vous avez reçu mon message ? Oui, tout se passe bien, on dirait. De nouvelles recrues viennent de rallier ma cause, mais... j'ai besoin de vos conseils. Mes alliés veulent frapper un grand coup contre l'Empire. L'Empereur règne sur la galaxie par la peur. Il faut donc détruire un symbole de cette peur. Les Impériaux assemblent leur destroyer stellaire au-dessus de Raxus Prime. Ce chantier naval sera ta prochaine cible. Merci, Seigneur Vador. Je ressens un conflit en toi. Ton amitié pour tes nouveaux alliés semble de plus en plus forte. Ne l'oublie pas, tu es encore à mon service. Je déteste être lui. Lui aussi, je crois. Maître. Juno. Je suis venu te demander où tu comptes aller ensuite. Mais je pense que je connais la réponse. Juno, ce n'est pas ce que tu crois. Bien sûr que si. Tu es resté loyal à Vador. Il a fait croire à tout le monde que j'avais trahi. Il a essayé de te tuer. Mais tu restes son... Son esclave. Alors pourquoi as-tu défié Vador pour me sauver? Parce que j'avais besoin d'un pilote. On sait tous les deux que c'est faux. Ce n'est pas parce que je sais piloter que je suis ici. Tôt ou tard, c'est toi qui décideras du sort de la rébellion, pas ton maître. Quand ce moment arrivera, rappelle-toi que moi aussi j'ai dû m'enfuir et abandonner tout ce que j'avais. Je t'en prie, ne m'oblige pas à vivre ça encore une fois. Donc voilà. Voilà, voilà, ce qu'on doit faire, c'est trouver le transport de débarquement impérial sur Raxus Prime. Donc en fait... Je ne peux pas aller plus loin. Trouve un moyen d'accéder à l'usine de traitement et on pourra utiliser le canon à minerai pour attaquer le chantier naval. Donc oui, je répète. Le but, c'est d'être de détruire les vaisseaux de l'Empire. Pour pouvoir se faire croire qu'on est assez fort pour le déjouer. On est de retour sur Raxus Prime, donc ce jeu, c'est vrai que ça peut être un peu. Peut-être qu'on revient, je suppose, sur l'endroit où on était avant, ce qui est différent du 2. Dans le 2, ça se passe pas du tout comme ça. C'est peut-être un petit bémol que je trouve dans ce jeu, même si j'adore ce jeu. Mon dieu, je suis en train de prendre trop cher. Il reste quelques minutes, donc on va continuer. Comme il y a eu l'ellipse, je ne sais plus vraiment. 10 000 points de force emportée. Ouais. Tout. Et pourquoi tu vises pas sur eux? Tu m'énerves.
Hop, donc on retrouve cette espèce de créature plus bizarre. Hop, crève. Oh bah tu veux pas. Je sais pas où je dois passer. Par où je dois passer, mais c'est par là, mais encore. J'avais vu juste. Je m'en rappelle plus. Ouais, non, je m'en rappelle plus. Hop. Et en fait, Vador, vous avez vu, hein, il commence à devenir ami avec Kota, avec. Avec les rebelles, s'inquiète un peu Dark Vador. Qui se demande s'il a fait le bon choix de lui donner cette mission. Hop, hop. Voilà, dans les décombres. C'est pas par là qu'il faut y aller, c'est par là, si je fais pas de bêtises. Oh putain, il y a un trou là, j'avais pas fait gaffe. Allez, hop, on grimpe. Voilà. Les destroyers. Je sais pas si c'est des destroyers, moi, peut-être plus exactement. Les vaisseaux de l'Empire qui sont là. Il semble que cette carte, ce niveau est pas trop long. Oh putain! Ah merde, j'ai loupé, il y avait un truc qui me fait en bouche. Mais vous êtes vraiment tous des abrutis, je vous file un coup de main. Justement pour défoncer ces saloperies, et vous me tirez dessus, vous êtes vraiment des idiots. Invincibilité, ça va chier pour vous. Ah putain, mais c'est vrai ça, c'est nul. On va préférer un pouvoir illimité. Oh putain, ils sont trois, et attendez. Laissez-moi tranquille ici. Putain, mais attendez. Oh mais vous êtes vraiment des idiots. J'ai fait quoi? D'accord. Putain, il y a toute une armée qui arrive. Ah mais genre je vous ai rien fait moi. Deux là. C'est joli combo des fois. Hein. Ah, lui, il arrive pas à se relever. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh putain! Débarquement, TRTT, laissez-moi tranquille s'il vous plaît. J'en ai rien à foutre du combat. Ce que je veux, c'est avancer dans la campagne. On a un petit problème ici. Je t'écoute. Proxy a quitté le vaisseau. J'ignore dans quel but. Je sais ce qu'il veut. Mais merci de m'avoir prévenu. Allez, des snipers partout. Juno, j'ai atteint un camp impérial. Tu peux t'occuper de la porte du hangar? Je vais essayer, mais il va falloir être patient.
Prends ton temps. J'ai de quoi m'occuper ici, t'inquiète pas. D'accord, et lui, c'est votre tout seul. Ah, cool, j'ai un dommage accru. Il faut se taper tout le monde là. Comme par hasard, j'arrive au moment où il est mort. Le... Enfin, il marche plus, le pouvoir accru. Dommage accru, par contre, je vais y arriver. Voir là-bas, je crois qu'il y a vu des autres se faire rouge. Oh, il y en a plein. Et... C'est quoi ça? Mon roi de réduction de santé. Putain, hé! Mais mec, coin! Mais laissez-moi me relever! Mais AAAAAH! Oh Soul! Putain, mais c'est pas vrai, il y en a trop là. Je vais me faire la sniper là-bas, il me saoule. Ouais, cool, encore un dommage accru, et comme par hasard, il en reste qu'un seul. Voilà. Il n'y a plus. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là-haut. Comment? Je ne sais point. Il y a encore des gens. Ah, ça y est. Ça y est, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent et on va s'arrêter là. C'était l'épisode 8 de Star Wars Le Pouvoir de la Force, The Force Unleashed. On se retrouve très vite pour l'épisode 9. D'ici là, portez-vous bien, portez-vous bien. Allez, à plus, bye bye tout le monde.